Le droit en BTS-NDRC, en quoi ça consiste? En BTS-NDRC et plus particulièrement en CEJM, nous étudions le droit relatif au commerce. Découvrons ensemble la notion de droit. Le programme de CEJM regroupe trois chapitres de droit. Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l'entreprise et ses partenaires? Dans ce chapitre, nous abordons diverses notions telles que la situation précontractuelle, la rupture des pourparlers, la condition de formation du contrat, la liberté contractuelle, les conditions de validité d'un contrat et les clauses d'un contrat. Comment les activités économiques sont-elles régulées par le droit? Nous avons abordé diverses notions au cours de ce chapitre. La liberté de concurrence, la concurrence déloyale, le droit de propriété industrielle, ainsi que les conditions de validité d'un contrat. Comment choisir une structure juridique pour l'entreprise? Dans un troisième temps, nous étudierons les notions liées à la structure juridique d'une entreprise. Les facteurs de choix d'une structure juridique, les structures sociétaires et l'impôt sur le revenu et sur les sociétés. Tu es étudiant et ces notions de droit t'intéressent? Alors viens les découvrir en rejoignant le BTS-NDRC.